Je vais passer la parole à Florence Lipski, je me retourne vers vous. Vous êtes architecte urbaniste, vous travaillez beaucoup et avec passion sur la question de l'enseignement supérieur, de l'université dans la ville. Vous êtes en pleine rédaction ou en fin de rédaction d'une thèse sur le sujet et qui nous a fait vous inviter aujourd'hui pour nous parler justement de cette question des stratégies urbaines sur les campus au travers d'un exemple très concret, celui de la Doua, qui est un campus à Lyon. Je vous passe le pointeur. Et pour lequel vous avez collaboré à la rédaction du schéma directeur immobilier et d'aménagement, qui a été dans les premiers, je crois, financé par la Caisse des dépôts autour des années 2008-2009, je crois, quelque chose comme ça, dans justement cet accompagnement de la construction de stratégies de long terme au sein des universités sur ce sujet. Oui, bonjour. Donc, je vais prendre un peu le relais de tout ce qui s'est dit en vous expliquant en images. J'aurais plutôt pas mal d'images. Et en vous illustrant le cas de la Doua. Alors déjà, je trouve bien en intro, moi, qu'on ait choisi la Doua, parce qu'on va pouvoir aborder, revenir sur la question du schéma directeur, parce que finalement, la Doua, c'est un des plus anciens campus. On est sur 1954, donc vraiment la première vague des campus. Il est grand, c'est vrai, on aurait pu prendre Bordeaux, on aurait pu prendre Toulouse. On va pouvoir aborder rapidement, parce qu'on va tout faire ça un peu serré, mais la question patrimoniale, qui n'est absolument pas assumée dans les campus et qu'il faut absolument révéler. Alors il y a des études qui ont commencé, financées par le ministère, il y a une étude de Jean-Paul Midan et de Maurice Culot qui ont commencé à faire le tour des campus pour évoluer les questions de patrimoine et les questions de bâtiment. Donc la voie est ouverte de ce point de vue-là. Donc là, en image, vous verrez ce en quoi le campus de la Doua est vraiment porteur et riche au niveau paysager. On parlera de foncier. Tout à l'heure, on m'a dit, mais est-ce que vous allez parler de foncier? Les campus, ce n'est qu'une question de foncier, donc on va parler de foncier. Et avant de rentrer aussi dans le détail, se dire que ce qui est bien avec la Doua, c'est que avec le plan Campus 2009, le schéma directeur est vraiment un travail qui est issu du plan Campus 2009. C'est-à-dire que quand les universités ont été mises en concurrence pour être pôle de compétitivité et pour monter un dossier et dire pourquoi ça s'appelle Lyon Tech, Campus Lyon Tech, et presque plus Campus La Doua, qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qu'elle voulait, et le schéma directeur, il colle à ces desiderata et une vision qu'ils ont de l'innovation et de la recherche. Alors, voilà, les images que vous allez voir, elles traduisent ça. Un petit bémol que je voulais dire en intro, c'est que les schémas directeurs, et depuis U2000 en tout cas, parce que je n'ai pas 150 ans, mais depuis U2000, moi je les vois fonctionner comme ça, c'est qu'ils apparaissent et ils disparaissent au rythme des plans nationaux. C'est-à-dire chaque fois qu'on a eu U2000, on a eu une très bonne vague avec U2000 très positive, puisqu'en construction, en plus, ça a été la renaissance de l'architecture. Là. On a eu des schémas directeurs. U3M était un peu plus compliqué, université du troisième millénaire, puisqu'on est sur des notions de confort de vie dans les campus, et ça, je pense qu'on a d'autres points à éclaircir pour arriver à la question du confort. Et puis avec le plan du précédent gouvernement, en 2009, on a eu une nouvelle vague. Donc ça, c'est génial, parce que chaque fois, ils ont une renaissance. Néanmoins, heureusement qu'aujourd'hui, on aborde le sujet, parce que sinon, on progresse peut-être sur les schémas directeurs, mais sur ce qui est schéma directeur campus, on s'endort assez rapidement. C'est-à-dire qu'en deux mots, les universitaires jusqu'à ce jour, ils y croient parce que c'est à la clé pour avoir quand même des financements. Et donc, ils lancent un schéma directeur. Et après, ça s'endort. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que là, je vais vous présenter où il en est le jour où il s'arrête, de quoi il est porteur, dans quoi il est porteur aussi dans la relation avec la ville, et qu'est-ce qui est en stand-by et qui mériterait vraiment d'être porté plus loin avec le Grand Lyon et avec Villeurbanne, puisque c'est les deux principaux voisins, on va dire, du sujet. Alors j'ai mis ce petit schéma en intro, je vais être très rapide là-dessus parce qu'on pourrait rester deux heures ensemble sur le sujet. C'est les boîtes dans les boîtes, là, bâtiments, quartiers, campus et villes. Alors, pour vous dire que moi, j'aborde la question de l'université dans la ville en considérant que ce n'est pas l'université dans la ville, mais qu'il faut se reposer la question de l'université et la ville. Voilà.
Alors, c'est une position que je défends. Je ne suis pas seule à la défendre à l'étranger. Il y a d'autres gens qui s'accordent, ou moi qui m'accorde avec eux, ou en tout cas on s'accorde entre nous, à savoir que la ville, l'université n'est effectivement plus cette forteresse enfermée qu'on connaissait médiévale. Elle n'est pas non plus soluble dans la ville. Et je pense que dans le dialogue avec les collectivités, et tout le monde va gagner de cette nouvelle posture, en tout cas de cette posture un peu revue, je pense qu'il faut que la ville et l'université soient, on l'a dit tout à l'heure, sur des questions de partage. On a parlé de, qu'est-ce que j'ai noté, de zones de frottement, on parle aussi de zones de contamination, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver effectivement le lieu de la rencontre, mais dans lequel tout le monde a vraiment à gagner de la dynamique et de l'échange. Alors, c'est, je pense, assez facile en termes urbains, assez facile en termes de citoyens à définir, assez facile en termes politiques, parce qu'on arrive aussi à se mettre d'accord, c'est beaucoup plus dur à mettre en place quand il y a de la promotion privée et au niveau concret, à se demander qu'est-ce que c'est que la mixité et comment on la fait. Là-dessus, je serais pour l'instant moins rassurée sur l'avenir de ça, mais en tout cas, voilà, moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand on écrit l'université dans la ville, parce que je pense qu'il faudrait qu'on se dise l'université et la ville. Alors je vais vous passer quelques images que je vais... Première étape, c'est 2-3 images sur l'état des lieux. Bon, une vue générale de l'ADOA, finalement, ça pourrait être notre campus français. On est effectivement sur un grand potentiel paysager. Il y a le Rhône, vous allez voir tout à l'heure le parc de la Tête d'Or. Néanmoins, on a un énorme foncier disséminé. On a une place énorme. On a des questions de parking pas réglées dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais on est toujours dans des situations où on utilise assez mal le foncier. Le rapport au sol est très difficile. Et ça, c'est vraiment une image. Vous verrez tout à l'heure, il y a une perspective qui montre le après. Oui, je sais. Et encore, c'est pire, je pense, pour les gens qui sont là. Bah ouais, j'y peux rien. Alors, ça, c'est un grand plan. Mais vous n'avez pas coupé la table en deux, là ? Non, on va laisser la table. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux ? Oui, je sais, mais. Alors ça c'est un plan général qui est intéressant parce qu'on voit bien le campus et puis autour. Alors moi je voudrais insister sur deux points là-dessus, la question du patrimoine et du paysage. Par exemple, la Doua, il y a le Rhône, il y a les berges du Rhône, il y a le parc de la Tête d'Or. On est dans un site absolument fabuleux mais qui n'est pas du tout révélé. Donc là, c'est des choses qui ont commencé à être faites et ça tant mieux, entre autres avec le Grand Lyon. Il y a tout ce qui est pistes cyclables, les abords. Il y a une topographie dont on n'a pas tenu compte jusqu'à présent qui est plutôt révélée. Donc là, c'est un point qui est positif, qui avance. Mais je pense que sur l'ensemble des campus, on a un grand, grand chemin à faire sur la question du paysage. La partie sud, c'est toute la ville que vous voyez, elle est découpée, hein, elle est limitée, mais c'est Villeurbanne. Et ça, c'est un des enjeux, c'est la question avec Villeurbanne, on y reviendra tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est une carte état des lieux que j'aime beaucoup, parce que sur l'ensemble des campus de cette période en tout cas, le vide c'est le noir, le blanc c'est le bâti. Et tout à l'heure, on se disait, je vous écoutais la dernière intervention qui rappelle qu'on fait du coup parti et qu'on perd son argent dans plein de petites choses. C'est évident, c'est le monde de la dispersion. C'est très, très compliqué d'arriver à tenir un schéma directeur avec cette surface énorme et surtout tout ce qui est absolument encore inoccupé. On parlait tout à l'heure que c'était des petites villes, c'est la taille de Rieux-la-Pape, et en population aussi, on frise parfois les 20 000, 30 000 personnes en population sur plus de 200 hectares, avec un sol qui effectivement, avec des axes, a été travaillé. On va passer, non, on le verra tout à l'heure, mais il y a un travail qui est fait d'axialité, il y a un travail sur les rues qui a été fait depuis 1954, bien évidemment, il y a eu des schémas directeurs et tout ça, c'est structuré. Néanmoins, on reste avec une question de gestion du foncier qui fait que le court terme prime toujours sur le long terme. Et ça sera sûrement l'écueil le plus difficile.
Alors, je vous mets maintenant trois images différentes qui vous font le point plutôt sur la situation de cette université. Donc ça, c'est la carte de la répartition, je dirais, des UFR et en tout cas des écoles, du CNRS, de toute la puissance intellectuelle qui est en place. Vous voyez les masses surtout, donc on se retrouve avec des poids assez différents. Hein. Il y a les STAPS à gauche, on a le gros poids qui se sépare en deux, l'INSA de Lyon et l'URFR de sciences, qui doivent déjà se mettre d'accord entre eux, ce qui a été un très beau challenge, puisqu'en général, ils les ont réussi pour tous ceux qui avaient été pris en pôle de compétitivité. L'enjeu, c'était déjà d'arriver en interne à se mettre d'accord. Et là, il y a eu une dynamique qui était vraiment très forte. Néanmoins, il y a un certain nombre de sous-bulles qui font qu'il faut arriver à être tous cohérents les uns avec les autres. Alors, une autre carte aussi qui est parlante, qui renvoie plutôt aux questions déjà de territoire, de déplacement, de confort de vie. On a du deuxième cycle, c'est violet, et le bleu, c'est le premier cycle. Donc c'est les localisations des effectifs. Et quand vous n'avez rien sur les cartes et que c'est blanc, c'est qu'on se retrouve avec du sport, piscine, qui sont aux extrémités, restauration universitaire aussi. On est toujours quand même une restauration universitaire. Moi, je pourrais en parler des heures et des heures, mais on va faire court. Restauration universitaire, c'est quand même encore le crous avec le turnover des repas. Donc, quand on a la masse d'étudiants à faire manger, il y a des déplacements, des migrations de gens pour aller manger, ou des gens qui, effectivement, ne se déplacent plus parce qu'ils ont envie d'être efficaces et de réfléchir et qui ont plutôt envie de manger de manière conviviale en bas de leur bâtiment un petit sandwich, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre offre possible entre du très grand, du très gros, de la quantité, ou de la petite, des choses plus nomades en termes de restauration. Donc ces masses-là, c'est pour vous dire que, et par exemple le campus d'Orsay, au sud de Saclay, quoi, qui est aussi avec un très fort dénivelé, avec une topographie très présente, il faut savoir qu'il y a des gens qui mettent une heure et demie pour se déplacer. S'ils enseignent dans un bâtiment, qu'ils enseignent dans l'autre, et qu'entre les deux, pour aller déjeuner, il faut qu'ils aillent à l'autre bout du terrain, c'est carrément le parcours du combattant. Donc on a une question de distance à réduire, et du coup est venue la question des quartiers. Alors la question des quartiers, elle est née de l'université, de la question de l'interdisciplinarité, dont vous parliez tout à l'heure, Elisabeth, voilà. C'est eux qui l'ont portée. De toute façon, même si nous, urbanistes, on y pensait, on ne peut pas la faire sans eux, parce que c'est lié à la question de la manière de travailler. C'est lié au fait qu'un physicien, maintenant, ça travaille avec le biologiste. C'est une manière de croiser, soit entre nous dans un même secteur, soit avec d'autres. Donc là, vous voyez dessiner en couleur des zones de... donc il y a la physique, la biologie, la couleur représente une discipline. Et là, ce qu'on a vu, ce n'est que de l'état des lieux pour l'instant, que finalement, tant mieux pour nous, ce n'était pas trop éclaté, mais qu'effectivement, il fallait compter 4-5 bâtiments pour arriver à commencer à avoir une notion de quartier. D'où, pour tout architecte et urbaniste, d'où l'arrivée, tout à l'heure ça s'appelait quartier dans le petit schéma que j'ai fait, d'où l'arrivée de la question d'une autre échelle. Et ça, c'est une notion très importante que les schémas directeurs doivent commencer à porter, à prendre en compte. Et ça, c'est de notre responsabilité. Ça ne peut pas être de la responsabilité des présidents d'université que de révéler cette question et d'expliquer aux gens qu'il y a une autre échelle, une autre dimension. Elle se met en place dans le temps, dans le long terme, dans le moyen terme, que sais-je, mais c'est quelque chose qui vraiment doit commencer à rentrer. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gérer autrement le foncier, en se disant aussi que s'il y a des taches blanches, eh bien, c'est pas grave. Il y a des choses qui peuvent rester inoccupées, non gérées. Si on arrive à recréer des bulles de savoir, des bulles de confort, des bulles de territoire dans lesquelles je dialogue et effectivement je suis bien pour manger mon sandwich à midi. Alors, ça amène un deuxième point qui croise aussi l'intervention d'Elisabeth tout à l'heure. C'est un schéma qui explique... Alors là, on est dans un cas, la DOA, c'est un campus très, très scientifique. Je pense que ça serait long aujourd'hui d'expliquer aussi que quand on est dans des secteurs littéraires, on n'a pas le même rapport à son territoire que quand on est scientifique. Mais quand on est sur un secteur scientifique, il y a la question des grosses machines. Des gros générateurs, des gros incubateurs, des choses qu'on peut trouver, grosses pièces qu'on peut trouver à Orsay.
Et donc là, ce qui était important dans l'évolution, justement, donc pour le schéma directeur dans le cadre d'il y a un an, là, un an ou deux, c'est que vous voyez, par exemple, Q1, Q4, donc ces deux bâtiments, qui vont partager la pièce rouge, qui est un lieu à bâtir dans lequel il y a plutôt des machines, donc on est plutôt dans des halles d'expérimentation qui vont partager entre eux et pour lequel le foncier, le meilleur foncier possible, doit être trouvé pour être à la liaison entre les deux. Donc tout ce travail-là, il a été mené en préalable pour que le schéma directeur puisse après passer à de l'immobilier en ayant pris en compte tout simplement vraiment les besoins et les usages de chacun. Alors si on revient à des questions plus ville et territoire, qui finalement le volet majeur du schéma directeur, mais qui, de mon point de vue, ne peut pas être abordé si on n'a pas vu, là je les ai résumés en quelques images, mais si on n'a pas vu la question des besoins et de l'évolution des besoins. Donc là, c'est un travail qui reprenait dans le schéma directeur tout le travail qui a été mis en place au niveau des infrastructures. Donc la tache grise, c'est le campus, et là vous voyez que, par exemple, dans le cas de la Doie, on avait déjà le tramway. De toute façon, tous les campus sont très très bien desservis au niveau tramway aujourd'hui. C'est quelque chose qui date de U2000 et qui a été vraiment une révolution pour tisser du lien entre la ville et le campus. Néanmoins, on a toujours besoin de plus, donc avec le Grand Lyon, a été mis en place d'autres lignes qui se sont développées. Alors après, il y a toujours l'idée d'être traversé pour aller ailleurs ou d'avoir des lignes terminales. Néanmoins, je crois que c'est un sujet sur lequel là, on peut passer parce que, en tout cas, de mon point de vue, on est dans le tissage, on est dans la fluidité. Ce n'est plus un problème majeur dans notre pays. Là, c'est un travail qui a été plutôt mené presque par les schémas directeurs précédents, qui était de se dire, là on rentre dans la complexité, qui était de se dire comment on fait les rues, comment on distribue et surtout quelle hiérarchie on met en place. Je suis contente qu'on m'ait demandé la Doie aujourd'hui parce que je pense que c'est le plus compliqué pour créer de la hiérarchie au niveau des rues, pour créer des lieux de vie parce qu'il n'y en a jamais un qui domine par secteur, ils sont tous égaux en plus. Donc par moment on se dit bon ben on fait une grille et puis tout est égal et puis finalement qu'est-ce qui se passe, c'est pas été la tendance française de tous les schémas directeurs jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui là les deux plans que vous voyez, c'est la résultante d'un travail sur le long terme qui a été mené et dont on hérite et pour lequel on sait plus quoi faire parce que les rues et les trottoirs ils sont faits bien ou mal. Les parkings, c'est un sujet tabou, c'est très très difficile de toucher au sujet des parkings, en tout cas sûrement pas aujourd'hui. Donc moi j'en suis arrivée à très vite, ça a été assez facile, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut continuer, mais la question du paysage, elle est présente. Là, la Doie, vous êtes dans une situation où il y a ce cœur, cette sorte de ruban horizontal vert foncé qui existe, qu'il faut plutôt conforter, prolonger, pour que l'ensemble du campus soit concerné et non pas juste la partie du milieu. Mais tout ça, c'est des idées qui arrivent à être mises en place et qui arrivent à être suivies et relayées par les services des campus. Parce qu'aujourd'hui, dans la réflexion générale sur la ville et le développement durable, on est tous d'accord là-dessus. Donc, faut-il encore le montrer ? La cartographie est importante là-dessus, mais je pense que ce n'est pas difficile. La question de l'eau non plus, on l'avait pas mal travaillé sur le campus d'Orsay, nous, parce qu'on a une gestion de l'eau avec la rivière qui était présente. Ici, c'est un enjeu énorme, mais je pense que dans la réflexion, même à partir des bâtiments, on arrive aussi à progresser sur ces questions-là. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est là que je voulais en venir, c'est sur la question de où se fait la rencontre. Et où se fait la rencontre, c'est là où je pense que la stratégie du schéma directeur, elle doit être effectivement de dire où se fait la rencontre. Ici, ça se passe au sud, c'est les petits endroits où vous avez les flèches jaunes, entre Villeurbanne et le campus de la Doie, et ça se passe à l'est, plus en face du parc de la Tête d'Or. Alors on avait défini deux zones, en face de la parc de la Tête d'Or, c'est forcément une entrée, c'est une façade du campus, donc on avait plutôt mis, parce qu'en plus on était en face du parc, tout ce qui était logement, et puis après, la partie sud, c'est quelque chose qui doit être partagé avec Villeurbanne, sur le traitement des limites,
on définit si c'est paysager ou si c'est urbain ou si c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut les faire. Et à partir de là, il se passe une chose qui est qu'il y a des terrains qui appartiennent parfois sur cette limite à l'université et parfois à la ville. Donc il faut arriver à décider quel est le foncier le plus, comment dire, le plus précieux presque à préserver pour le campus, pour qu'elle ait aussi une marge de manœuvre quand elle a des joint ventures avec d'autres universités ou d'autres industries, qu'elle puisse décider qu'elle a aussi du foncier à préserver. Moi, j'ai fortement poussé dans le schéma directeur pour qu'on n'utilise pas tout le temps, n'importe quand, qu'elle ait un peu les joyaux de la couronne, qu'on puisse déceler et leur dire, eh ben ça, s'il y a une joint venture, il faut que vous puissiez aussi avoir une réactivité assez forte. Pour autant, il y a des terrains à vraiment partager avec Villeurbanne. Et là, il y en a un qui est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est plutôt en partage avec Villeurbanne. Et celui-ci, c'est ce que j'ai appelé les joyaux de la couronne, parce que c'est un site qui appartient à l'université et qui, pour le coup, peut être un enjeu assez fort de compétitivité avec les universités. Alors, toute la partie qui est avec Villeurbanne, c'est un travail qui est à faire. Aujourd'hui, ça n'a pas été mené parce que c'est un problème après de dialogue entre tous, aussi de programmation. Qu'est-ce qu'on met dans la mixité ? Il y a la question des hôtels, mais quoi comme hôtel ? Je pense que moi, j'ai l'habitude de dire que le campus est quand même un territoire spécifique. Je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux, il y a des manières de répondre à la programmation qui fonctionnent mieux pour les campus que pour d'autres endroits. Donc c'est un vrai travail, et à partir du moment où on a déjà le lieu de la rencontre, on arrive à progresser, quoi. Voilà, donc c'est une cartographie qui après cible à l'université vraiment des zones particulières qui sont des potentiels pour le futur. Je terminerai juste là-dessus, c'est les lieux qui sont justement les quartiers dans lesquels les universités étaient essayaient d'avoir vraiment une vitrine sur leurs activités, et où du coup elles se sont raccrochées au travail paysager en créant entre autres des agora pour qu'elles puissent avoir une lisibilité assez forte du point de vue architectural. Alors voilà, là c'était une vue finale, une perse qui simulait le futur. Il y a un enjeu, on parle de potentiel aussi du bâti existant. C'est un schéma directeur qui disait, voilà, on va considérer qu'à court terme, quand vous avez entre 0 et 300 mètres carrés, on va considérer que vous vous étendez sur vous-même, sur le toit du bâtiment, ou en tout cas sur soi-même, en interne. Que le créneau entre 1000 et 4000 mètres carrés, eh bien, on est dans la proximité de son bâtiment, et qu'après, au-delà, ça fait partie vraiment d'un autre type de rapport au foncier, et on est dans un long terme différent. Donc on avait proposé comme ça une gestion du temps croisée avec les mètres carrés pour qu'on évite un maximum d'éparpillement. Voilà. Merci beaucoup, Florence Lipski. C'est très intéressant, cette dernière idée de créer des agoras, d'essayer de se poser la question de comment un bâtiment rayonne sur son espace public, et ça m'amène une belle transition avec la question de la restructuration de Saclay et le projet qui a lieu là-bas. Je laisse Lise Mélian s'approcher, et peut-être que Eric ou je ne sais pas qui. Donc, projet de Saclay, et puis peut-être aussi ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment finalement l'aménageur s'immisce dans des questions de restructuration des campus. On voit que souvent, finalement, la question de la maîtrise d'ouvrage, elle est un peu cantonnée autour des acteurs universitaires, l'État, les collectivités, etc., pour des raisons de foncier, bien souvent également. À Saclay, il y a une situation un peu particulière puisque le foncier est majoritairement maîtrisé par le PPS, mais ce n'est pas son seul levier pour se mettre au service de ses stratégies de développement, d'ouverture de l'université. Je laisse la parole à Lise Mélian, qui va nous présenter le projet, bien sûr, mais surtout va essayer de nous montrer les spécificités du montage de l'École Centrale Paris, dont le concours a été attribué il y a quelques semaines ou mois de ça maintenant. Moi, maintenant. Alors, donc... En 6 minutes, ça va être forcément un très grand raccourci, mais ceci étant dit, beaucoup de choses ont déjà été dites. Juste un tout petit rappel quand même pour vous redire que l'établissement public est un jeune établissement public, puisqu'il est né avec la loi du Grand Paris en juin 2010, un an après qu'ait été créée l'opération d'intérêt national, qui est en rose clair sur cette carte.
L'établissement public a une zone d'action extrêmement large puisqu'elle est à cheval sur les deux départements de l'Essonne et des Yvelines, sur quatre intercommunalités. Donc c'est effectivement un territoire d'action qui est celui qui est la mission qui est conférée à l'établissement public dans le cadre de la loi, qui est de développer un grand pôle d'innovation et de technologie de rang mondial autour du plateau de Saclay. On va nous zoomer sur la partie ville-campus qui est sur le sud du plateau, mais vous voyez au nord le deuxième pôle de développement extrêmement important sur les questions de mobilité. Je vous redonne juste un chiffre, on a à peu près 15% de la recherche française qui est autour du plateau de Saclay. Et bien sûr, alors la ligne verte qui est maintenant devenue la ligne 18 du réseau du Grand Paris Express est une des manières, pas la seule, mais bien sûr de donner du lien à ce territoire. Alors, sur les questions de gouvernance, Éric Bazar l'a déjà dit, donc la spécificité de la gouvernance de l'établissement public, c'est qu'effectivement, on a quatre collèges dans le conseil d'administration, non seulement l'État et les collectivités, bien entendu, les élus, qui sont numérairement les plus nombreux, mais on a deux collèges académiques et économiques, et le président directeur général est issu de ces collèges, et donc c'est Pierre Veltz que vous avez entendu ce matin. Et puis, donc, l'autre particularité, c'est qu'effectivement, la Fondation de coopération scientifique, donc, qui représente les 21 acteurs du plan campus, sont représentés par leur président, qui est membre du conseil d'administration, et vice-versa. Alors, sur l'organisation, et on va le revoir du coup pour Central, plus pragmatiquement, ça veut dire aussi que l'établissement public, il a une organisation en termes d'équipe qui accompagne cette organisation de gouvernance de l'établissement public et qu'on a une direction de l'immobilier et une direction du développement économique à côté de la direction de l'aménagement et que donc, en particulier pour le travail avec les universitaires, la direction de l'immobilier conduit les opérations immobilières des établissements qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur et maître d'ouvrage de tous les équipements mutualisés. Donc ça nous donne une capacité de travail en amont extrêmement forte, c'est ça qui va nous servir beaucoup. Bon, là, simplement pour vous rappeler quand même la fondation de l'Université Paris-Saclay en début d'année prochaine, la Fondation de coopération scientifique va devenir une université. Et pour tous les gens qui connaissent bien le monde universitaire, le rassemblement de toutes ces personnes-là, grands établissements, de grandes écoles, les universités de Paris-Sud, le CNRS, le CEA, fondant une université et travaillant ensemble, c'est quand même dans les choses dont Olivier disait qu'il y a 10 ans, on n'y aurait pas pensé. Je pense que ça, très clairement, c'est quelque chose dont beaucoup de ceux qui connaissent bien le monde ne l'auraient pas imaginé. Alors, je vais essayer d'aller très vite sur le projet. On zoome maintenant sur le sud du plateau, la situation actuelle. Alors effectivement, vous voyez la vallée qui est la vallée occupée, habitée, avec d'ailleurs une bonne partie de l'université Paris-Sud à Orsay dont a parlé Florence. Et puis sur le plateau, au contraire, un plateau très désert, ou plutôt très désert, très occupé d'activités agricoles, mais des grands domaines très isolés les uns des autres. Pour vous donner une idée, entre le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, très beau domaine dessiné par Perret et l'école polytechnique, on a 7 km, donc un peu plus que de la pyramide du Louvre jusqu'à l'étoile. Et donc la difficulté, c'était comment on allait pouvoir occuper ce territoire sans l'étaler et en redonnant de la vie. Et par rapport à ce que disait Florence sur la question de l'université et la ville, effectivement, là, la particularité, c'est qu'on va faire dans le même temps l'université dans des quartiers de ville que l'on va bâtir et qu'on va du coup devoir se poser la question de la proximité et de quel mode de vie on va avoir dans cette programmation urbaine, puisque on va avoir des quartiers à la fois, bien sûr, compacts, mais compacts pour donner de la proximité, pour donner de la capacité aux gens à se rencontrer et à se parler, à privilégier les modes de vie à l'échelle des quartiers. Et puis, parce qu'on a une programmation où on a, en gros, un tiers d'universitaires, un tiers de développement économique et un tiers d'habitat. Ça veut dire qu'effectivement, ce que disait Pierre Veltz ce matin, la part des habitants permanents est quand même beaucoup moindre que la part des salariés, des usagers, de l'ensemble des utilisateurs, et qu'il faut donc penser à cette combinaison des deux modes de vie qui ne sont pas forcément, relèvent pas ni des mêmes horaires, ni des mêmes pratiques, ni des mêmes besoins. Et ça, dans les échanges que l'on a aujourd'hui, que ce soit avec les universitaires, les scientifiques et avec les élus, on voit bien la confrontation et les questions que ça pose. Pour nous, c'est vraiment le cœur du sujet. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le projet lui-même.
C'est aussi ce projet, une manière de travailler aussi sur un nouveau rapport entre la ville et la nature. Je suis quand même, vous savez qu'effectivement, donc, aussi dans le cadre de la loi du Grand Paris, l'établissement public avait vocation à pérenniser et sanctuariser 2300 hectares de terres agricoles. Donc on fait bien le pari que l'urbanisation, l'urbanité ne se fait pas au détriment de la qualité du territoire et de son occupation et de sa production agricole. Et que dans l'installation des quartiers, le travail que l'on mène avec Michel Desvignes sur ce qu'il appelle le système de parc qui va entourer et intégrer le développement urbain, c'est celui d'une transition et d'une relation qui permet de conjuguer des thèmes que l'on a déjà évoqués, qui vont du corridor écologique au traitement de l'eau, à la gestion des terres, à l'agriculture périurbaine, à un système de parc avec des loisirs et du sport. Enfin bon, donc voilà, tout ça, je vais extrêmement vite parce que c'est extrêmement court. Donc là, vous avez donc tout le sud du plateau. On va donc maintenant... Et puis donc, pardon, vous voyez aussi... Alors, il doit y avoir un pointeur, je ne sais pas où il est. Oui, vous voyez aussi donc, la ligne de métro avec les trois gares donc, dans le quartier de l'école polytechnique, dans le quartier du Moulon et puis à Saclay autour du CEA. Et puis, par contre, aussi une ligne de transport en site propre qui, là, permet de caboter, de rassembler. Donc, le sujet de la mobilité, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais est aussi très important dans la combinaison de la vie dans ces quartiers. Donc, on va aller maintenant dans le quartier du Moulon, qui est donc situé... à l'ouest de la RN 118, pour parler donc de comment on a installé l'école centrale. La problématique est par rapport à ce que disait Florence sur le foncier. Effectivement, la grande chance, c'est non, malheureusement, le foncier n'appartient pas encore à l'établissement public. J'en serais extrêmement satisfaite, mais c'est un peu plus long que ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est du foncier d'État pour la très, très, très grande majorité. Et effectivement, là aussi, la loi du Grand Paris a prévu que le foncier d'État pouvait être transféré gratuitement à l'établissement public. Malheureusement, entre cette phrase extrêmement simple écrite dans la loi et la mise en application, c'est un tout petit peu plus long, mais on va dire que le cadre est bon, pour faire très court. En tout cas, ça veut dire que quand on a travaillé avec les établissements sur comment vous venez là, on a fait un schéma directeur campus qui nous a permis de travailler à la fois avec ceux qui étaient déjà là, notamment Supélec et Paris Sud, et puis donc ceux qui allaient venir là, c'est-à-dire l'école centrale et l'ENS Cachan, et surtout s'interdire de leur répondre à la question « Il est où mon terrain ?» Le grand leitmotiv au début, c'était on vient, donc vous nous donnez un terrain, vous nous l'aménagez et on s'installe. Et on a passé beaucoup de temps, et c'est vrai que le fait qu'on fasse la conduite d'opération, c'est là où ça joue beaucoup pour le compte de l'école centrale, nous a permis d'insister beaucoup sur le fait qu'avant de décider où était le terrain, il fallait voir comment on organisait la vie et l'organisation des établissements. Et donc le schéma directeur nous a permis de travailler en amont avec les urbanistes et les établissements, plutôt sur les rapprochements, des polarités des services, autour de la question des centralités, toujours autour des sujets de mobilité, bien entendu, et puis aussi sur la question du coup, des implantations académiques et des rapprochements. Et là, on a des schémas qui se rapprochent un peu de ce qu'a montré Florence sur les dynamiques des différents départements. Et ça a aussi obligé les différents établissements à montrer à la fois ce qu'ils étaient dans leurs identités, l'ENS Cachan reste l'ENS Cachan, central tient à rester central, mais aussi à montrer ce qu'ils partageaient et à faire émerger la notion d'équipement mutualisé. Et donc ça permettait aussi de réfléchir à la question du montage de leurs opérations et de dire que ça n'était pas comme bloc, mais que c'était des ensembles de choses qui pouvaient se parler et se monter de manière différente. Et donc, en particulier dans les équipements mutualisés, on a retrouvé, bien entendu, des choses assez classiques de restauration, de sport, qui ont vocation, d'ailleurs, donc, non seulement à avoir une maîtrise d'ouvrage mutualisée, mais à être ouvert aussi aux habitants et aux salariés de l'ensemble qui vont venir. Et puis, mais aussi des bâtiments plus académiques, comme des labos de langue, des salles de cours mutualisées, puis le Learning Center, qui devrait être le bâtiment emblématique, qui viendra... au niveau du métro, et qu'on appelle d'ailleurs, Learning Center n'est peut-être pas son nom définitif, on l'appelle parfois lieu commun, en tout cas un lieu emblématique, ouvert à tous, et qui appartient à la fois à l'université, mais aussi comme une représentation du campus lui-même. Voilà, et donc du coup, pour Centrale, pour arriver au sujet de Centrale, l'idée c'était de dire, vous voyez, on n'avait que des tâches, j'allais dire, assez vagues, on voyait à la fois du jaune, du rouge, du bleu, enfin de dire qu'il fallait un peu tous les programmes. Et puis finalement, on s'est servi aussi de l'occasion du fait que, en travaillant, ça c'est un schéma du programme de Centrale, où eux-mêmes réfléchissaient à leur nouveau mode d'enseigner, je vais aller très court, sur les univers, le rapprochement entre les laboratoires et l'enseignement plus académique. Donc apparaissaient tous les mots dont on a
enfin, sérendipité, hybridation, flexibilité, tout ça a été nourrissé. Véronique Granger sera demain à la table ronde. Enfin, nourrissé, c'est elle qui a fait le programme de Centrale, a beaucoup nourri la réflexion. Donc là aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et finalement, on s'est dit, dans le fond, plutôt que de faire, vous savez, enfin, on a beaucoup parlé de la question des PPP, qui était le montage originel de, pour réaliser les programmes du plan campus. Et finalement, on s'est, enfin, Centrale s'est dit, plutôt que de faire un seul PPP et global, et etc., finalement, comme j'ai des sources de financement plus diversifiées que cela, je vais faire en fait deux bâtiments. Un bâtiment en MOP, où je retrouverai les éléments plus identitaires et plus flexibles dont on sait qu'ils se prêtent mal au PPP. Et je mettrai éventuellement dans le PPP les bâtiments plus banalisés et plus externalisables autour des sujets de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée qu'on fasse un concours mixte urbanisme-architecture, où on avait un groupement de commandes avec l'établissement public et l'école centrale, où on donnait aux équipes d'architectes un terrain extrêmement grand, d'une vingtaine d'hectares, qui est donc le futur quartier Joliot-Curie, et qui rassemblait, dans lequel les équipes avaient à choisir l'implantation de l'école centrale avec les deux bâtiments, un des bâtiments pour lequel ils seraient maîtres d'œuvre. Ils ont donc un contrat loi MOP avec Centrale pour faire le premier de leurs bâtiments. Et puis, ils ont donc un programme et un contrat avec nous pour être les urbanistes du quartier. Donc, la question était extrêmement ouverte. Ils avaient tous les éléments du schéma directeur campus, les éléments définis par Michel Desvignes et Xavier de Guetter et Floris Alquemade, qui avaient travaillé sur le schéma directeur campus. Et ils devaient proposer... travailler sur un programme mixte, donc ils avaient 100 000 m² d'enseignement supérieur à placer et 80 000 m² d'habitat, d'équipements mutualisés, de commerce, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a réussi, en ayant tout ce contexte-là, des PLU à réviser, enfin, il y a plein de facteurs, mais je crois que ça serait un peu long, mais on pourra en parler, mais qui a permis de mixer ça. Et donc le résultat, c'est donc le projet lauréat, donc c'est OMA qui a gagné ce concours, qui était un concours, je crois, de très bonne qualité, avec des réponses très diversifiées, et qui a permis non seulement de donner une réponse qui convient bien à l'école centrale dans sa capacité à avoir un bâtiment identitaire où il s'y retrouve, mais aussi un bâtiment très urbain, c'est le Lab City, qui est vraiment l'idée d'une ruche et d'un bâtiment traversé par un espace public, la Grande Diagonale, qui va rapprocher le métro du Carré des Sciences, où on va trouver Supélec, le NS Cachan et des bâtiments de l'université. Et donc d'avoir résolu cette double question d'un projet à la fois urbain et ouvert sur la ville, mais aussi d'un projet qui répond aux attentes universitaires. Et ça nous a beaucoup aidé par rapport aux collectivités sur, par exemple, le fait que le cœur de ce quartier n'était pas un cœur de quartier campus, mais devenait un cœur de quartier ville-campus, et sur lequel maintenant le maire réclame des équipements publics, du logement familial. Et du coup, maintenant, c'est les universitaires qui se reposent la question de « mais vous nous noyez dans un équipement de logement ». Et ça nous pose problème. Donc on n'est pas non plus au bout des termes de nos contradictions et de l'avancement de ce projet qui ne fait que démarrer. Voilà. C'est vraiment pour le coup la question de la spécificité de ces sites universitaires, hein, de jusqu'où on va dans le mélange avec un tissu urbain banalisé. Banalisé, pas au sens banal, hein, mais plus traditionnel de la ville. On va passer la parole à Pierre Bernard maintenant. Moi, j'ai une petite réaction quand même. Ce qui est quand même très intéressant à noter dans le discours de Lise, c'est venu à la fin, mais c'est quand même toute la stratégie un peu perverse ou transverse qu'a dû développer l'aménageur pour peut-être pour arriver quand même à mêler l'université et la ville. Quoi, je veux dire. Oui, et puis ça, pour arriver à travailler en partenariat et à construire. L'aménageur, tu l'as dit, il n'est pas pervers, il est complexe, et c'est ça qui lui plaît. Enfin, ouais. Voilà. Non, c'est mieux dit. Le mot pervers n'est pas le bon, mais je veux dire, tu es rentré par la fenêtre, en gros, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu cette idée que depuis la conduite d'opération, le montage un peu atypique, groupement de commandes, finalement, on arrive à complètement travailler dans des logiques intégrées et de synergies beaucoup plus fines que ce qu'on trouve sur d'autres sites ou dans d'autres projets. Je passe la parole à Pierre Bernard maintenant, qui suit les questions d'aménagement universitaire depuis pas non plus 150 ans, mais a lui aussi connu Université 2000. Et peut-être la question qu'on avait envie de lui poser, c'est qu'est-ce qui est dans les constantes aujourd'hui qui traverse les époques, qu'est-ce qui est plus spécifique à notre époque, qu'est-ce qui mériterait d'être configuré au regard des enjeux qu'avait très bien énoncé Elisabeth Campagnac. J'ai 4 minutes. Hein, tu as 3 minutes même. Voilà. Donc déjà, un premier temps sur les permanences. Donc dans les deux dernières interventions, j'ai repéré deux éléments de permanence.
Tout à l'heure, Florence Lipski nous parlait du tramway donc, qui a été effectivement installé à l'occasion dans le cadre de U2000. Comme dans beaucoup de villes universitaires, effectivement, l'idée c'était de rattacher ces campus périphériques, parce qu'on ne pouvait pas les reconstruire en ville, bien sûr, à travers des transports en commun lourds. Et donc de nombreuses villes universitaires se sont dotées, enfin, les tracés ont pu desservir les campus qui n'étaient pas du tout gagnés à l'avance. À l'époque aussi, donc, les murs du campus de la Doua avaient été démontés afin d'ouvrir le campus sur la ville. Donc, c'était un peu symbolique, mais néanmoins, il y avait une volonté d'ouvrir. Et de la même manière, effectivement, il y a eu un schéma directeur à la Doua, comme dans quasiment tous les sites universitaires. Mais effectivement, semble-t-il, ces schémas ne tiennent pas la durée. Dans l'intervention de Lise Mélian, je vois là aussi une permanence sur sa clé. Je veux dire, Claude Allègre avait déjà créé un pôle européen au début des années 90. Effectivement, il n'avait pas abouti. Et là, on voit effectivement sur ce site ce projet donc, qui devrait maintenant voir le jour. Donc voilà des éléments de permanence. Donc très rapidement, je vais peut-être dresser le cadre général entre les années 90 et les années 2000. Donc dans les années 90, on est vraiment dans une logique d'aménagement du territoire. L'État, ministère de l'enseignement supérieur, donc pense le territoire dans sa globalité, essaye de rééquilibrer l'offre de formation en créant des universités nouvelles dans le Nord, par exemple, ou en Bretagne, ou autour de Paris. L'entrée, c'est vraiment la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc on est vraiment dans une logique d'offre de formation. Donc ce n'est pas la recherche qui est devant, c'est vraiment l'offre de formation. Mais par ailleurs, une réflexion extrêmement riche est menée sur ces questions de relations entre université-ville. Donc beaucoup de chercheurs en sciences humaines, par exemple le PUCA, le plan urbain à l'époque, avait financé 70 recherches à l'échelle nationale sur ces questions de relations université-ville. Et ces réflexions ont abouti à beaucoup de projets qui ont vu en même temps des reconstructions de bâtiments universitaires de campus vers les centres-villes, mais également, je vous disais tout à l'heure, des réflexions à l'échelle des villes sur la structuration en réseau des différents points, des différents pôles qui concernent l'université. Donc il y a eu vraiment une réflexion de fond qui existait déjà et qui, peut-être à partir de la fin des années 90, s'est un peu perdue. Là, la question de l'autonomie des universités était déjà effectivement en route avec la mise en place des contrats quadriennaux et les collectivités locales commençaient déjà à financer à parité avec l'État donc les bâtiments universitaires. Donc à partir des années 2000 et surtout à partir de la moitié des années 2000, on change complètement de décor. C'est la recherche qui devient effectivement le moteur de la réflexion sur l'université. Donc, à mon avis, c'est le classement de Shanghai qui a poussé les universités à vouloir se distinguer et être visibles à une plus grande échelle. Et d'ailleurs, c'était l'université de Paris 6, je crois, en 2005, qui avait commencé à essayer de constituer son petit réseau pour sortir la tête de l'eau un peu. Et puis après, des politiques du ministère de l'enseignement supérieur se sont construites à partir de cette dynamique. Par ailleurs, effectivement, les réflexions sur l'économie de la connaissance et l'implication des collectivités locales et l'enjeu de l'attractivité des villes et de l'université comme élément de cette attractivité a été prise en considération. Donc tous ces deux éléments ont conduit effectivement à une politique plus concentrée sur des grands pôles universitaires. La maille avait changé de taille, en fait. On n'était plus dans une logique d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, mais la question se posait de la visibilité à l'échelle internationale. Et donc, pour rendre visible l'université, effectivement, il y a eu cette politique des presses, où là, on étend le domaine, ça veut dire qu'on fait masse, avec une logique, effectivement, de coopération. On demande aux établissements de se mettre ensemble. On fait émerger, effectivement, une échelle régionale, ce qui n'était pas le cas avant, donc ce que je trouve extrêmement intéressant. Et puis, par ailleurs, ces presses sont mises en concurrence dans une logique d'excellence, effectivement, et 12 opérations sont retenues, où une majorité la grande majorité des moyens est concentrée, est polarisée, voilà.
Donc voilà en gros l'évolution des choses. Alors c'est vrai que dans le même temps, l'autonomie des universités s'est renforcée à travers la LRU. Donc voilà le cadre général. Et juste, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je voulais poser la question de l'implication des aménageurs sur ces projets. Alors peut-être déjà une réflexion générale, c'est que ce soit à l'occasion de U2000 ou pour les projets plus récents, y compris les projets campus, chaque fois les priorités qui avaient été données par le ministère de l'enseignement supérieur, c'est d'abord réhabiliter le patrimoine, ce qui ne s'est pas fait ni dans le premier cas ni dans le second. Et paradoxalement, sur l'opération campus, c'était vraiment une demande qui était tout à fait claire. Daniel Grande, il y a une part énorme du patrimoine qui est vraiment en ruine. Donc là il y a des vrais enjeux. Et en même temps que cette réhabilitation du campus, se pose la question de reconformer ces locaux pour des usages contemporains. Et donc des questions d'aménagement complexe où effectivement seuls des professionnels compétents, des aménageurs, à mon avis, pourraient arriver à régler cette question-là, en même temps de valoriser le foncier des campus, dans le cas où on veut effectivement densifier les campus, et en même temps régler ces problèmes de réhabilitation du patrimoine. Juste, alors, quand j'ai essayé de regarder un petit peu cette histoire en diagonale, je me suis aperçu que dans les années 90, en fait, les établissements publics d'aménagement étaient très présents, en particulier dans la création des quatre universités nouvelles de la région parisienne. Ils étaient très présents parce qu'ils maîtrisaient le foncier. Ils étaient présents parce qu'ils avaient une vraie volonté de faire venir l'université et de la tricoter dans la ville. Là, il y avait vraiment une volonté de mixité des fonctions. Puis, tout à l'heure, on parlait des mixités. Là, elle s'est réellement réalisée d'une manière très différente, d'ailleurs, dans les quatre villes nouvelles. Et effectivement, on a eu dans ce cas-là... alors, les conditions étaient particulières, puisque rien n'existait, donc il fallait tout construire. Donc, effectivement, ce n'était pas déplacer des établissements, comme c'est le cas donc, sur le plateau de Saclay. Mais on a eu quand même ces expériences d'établissements publics capables de porter, avec les universités, des projets complexes qui articulaient les différentes échelles. Il y a un autre projet qui a été réalisé dans les années, à partir de la fin des années 90 jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est la reconstruction de l'université Denis Diderot Paris 7, donc sur la ZAC Seine-Rive Gauche, en relation très étroite avec la CEMAPA. Et là, on voit aussi un aménageur qui permet à l'université de constituer un quartier universitaire. Et donc là aussi, on a... Alors, ce n'est pas énormément d'échelles, peut-être moins, les échelles sont moins vastes que dans les villes nouvelles, mais là, on a bien une réflexion sur le bâti, sur les quartiers, sur les espaces intermédiaires. Et donc, je pense que la question aujourd'hui, c'est sur les grands campus, puisque, semble-t-il, c'est là qu'il y a des enjeux. Comment est-ce qu'on peut approcher ces opérations complexes, ces opérations d'aménagement complexes ? Merci. Merci Pierre. On va remercier nos intervenants de la première partie et puis en même temps que je fais ma petite transition, je vais appeler Ludovic Albert et Flore Trottmann à nous rejoindre pour la deuxième partie. On avait très rapidement abordé tout à l'heure la question des très petits acteurs des secteurs créatifs, notamment dans l'introduction d'Éric Bazar, et puis à travers l'exemple de la cantine. Lors du séminaire Popsu, on a également eu beaucoup de choses sur... Popsu sur la ville des créateurs, le représentant de Berlin avait eu une analyse très intéressante où il montrait un peu ce qu'était l'économie de ce secteur créatif à Berlin et où il montrait que la taille des entreprises diminuait, qu'au-delà de la diminution de la taille des structures, on avait aussi une précarisation de certains milieux et que même s'il y a dans le secteur créatif des filières comme le jeu vidéo par exemple qui sont... économiquement très saine et capable de s'insérer dans la ville. Il y avait en même temps des choses très faciles et très proches de la précarité par l'emploi. Martin Hirsch, ce matin, faisait référence aux difficultés d'hébergement des activités de production artistique dans la ville. C'est un peu à tous ces sujets qui se situent un peu à la marge et qui ne concernent pas du tout ces très grands opérateurs comme l'université qu'on a voulu consacrer cette deuxième partie du débat.
Je vais tout de suite, pour essayer de reformuler la question de la ville créative autour de ce sujet, passer la parole à Ludovic Albert, qui est chercheur, lui aussi, au LATS, Laboratoire Technique, Territoire et Société, qui avait travaillé, je me souviens d'une première intervention, il y a quelques années de ça maintenant, autour du sujet des activités créatives en Île-de-France, en posant la question des clusters. Je crois que c'était avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Il me semble, voilà, Ludovic, à vous la parole. Merci d'être là, déjà. Merci Olivier, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être suffisamment rapide pour que l'on puisse aller au gala quand même après, qu'on ne passe pas toute la nuit ensemble. Alors, j'ai trois points que j'aimerais développer. Ici, j'essaie de réélargir le propos en ne regardant plus l'économie créative ou la ville créative simplement du point de vue d'un grand acteur que serait l'université, mais en essayant de prendre en compte des activités que l'on dit créatives, à la fois dans leur évolutions et les relations qu'elles entretiennent avec les espaces urbains, ce sera mon premier point. Puis ensuite, j'essaierai de pointer deux enjeux qu'il me semble important de traiter du point de vue des aménageurs. Alors, je trouve que j'ai relu la synthèse qui a été proposée par le groupe de travail, qui a réussi à éviter l'écueil d'observer la ville créative comme étant la ville des classes créatives, qui est le propos de Richard Florida et qui nous explique que dans une compétition acharnée entre les territoires, il conviendrait d'attirer des artistes, des chercheurs, tous les manipulateurs de symboles qui seraient à la source de la création de richesses dans nos sociétés. Et que l'aménageur serait là finalement pour construire les aménités, les cafés, les espaces de rencontre qu'il conviendrait pour cette classe créative qui finalement ne représente jamais que entre 15 et 30% d'une population active d'un territoire. Dans ce qui m'a intéressé dans l'approche de ce groupe de travail, c'est de considérer la ville créative comme étant une transformation des systèmes productifs, c'est-à-dire des manières que l'on a de travailler, qui repose sur une économie de la connaissance, c'est-à-dire que les activités culturelles sont en train de contribuer à créer de la richesse pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, on achète une voiture, pas simplement pour l'innovation technologique, mais pour son design, les valeurs symboliques qu'elle charrie. Et donc, on est là sur une transformation de la place de la connaissance, de la culture, dans nos modes de production. La ville créative n'est donc pas celle des populations qu'il conviendrait de trier sur le volet, dans le cadre d'une politique d'attractivité ou de compétitivité. Ça renvoie à une façon de concevoir l'économie, à tel point que l'économie et le social en réalité, à tel point que la notion de ville créative n'est plutôt un pléonasme. On peut concevoir la ville comme étant ces espaces qui sont permissifs de la rencontre, de la fertilisation croisée, des échanges, ce que nous a rappelé notamment Pierre Vels ce matin. Il y a donc un enjeu d'ordre général qui est de, lorsque l'on prend un agenda qui serait celui de la créativité dans la ville et de la ville créative, c'est de renforcer les fertilisations croisées, l'innovation collaborative, l'innovation ouverte, pas simplement entre quelques élus choisis, là, ces artistes, ces chercheurs, même s'ils vous en remercient de les choyer ainsi, mais bien de repenser la manière dont on conçoit nos produits, nos services de manière collaborative. À tel point, on l'a vu, que les clusters, qui sont finalement des logiques traditionnellement plutôt de regroupement autour d'un secteur, les clusters qui gagnent aujourd'hui et qui fonctionnent bien ont tendance de plus en plus à être ceux qui sont bien insérés dans des espaces urbains, c'est-à-dire qui leur offrent des aménités liées à la diversité de ces espaces urbains. Dans l'avantage métropolitain, le petit bouquin que j'ai publié il y a quelque temps, c'était le cœur de la thèse d'insister sur ces effets de diversité qui renforcent les dynamiques de créativité. Alors ça pose, de mon point de vue, deux questions, enfin il y en aurait beaucoup plus en réalité, mais au moins deux questions aux aménageurs. Le premier enjeu renvoie à la capacité que l'on a collectivement, et notamment à travers l'aménagement, à
préserver de la place pour ses activités créatives. Puisque pour la plupart d'entre elles, ce n'est pas le cas de toutes, on voit bien que l'université ou des grands groupes, notamment qui sont dans ces secteurs créatifs, ont moins de difficultés à s'imposer comme des interlocuteurs dans le développement urbain. Mais pour ce qui est du reste des activités qui sont souvent de petite taille, qui sont de création récente, qui, lorsqu'elles ont du capital, le réinvestissent dans le financement, dans la R&D et pas dans l'immobilier, bref, pour ces activités qui ont finalement du mal à trouver leur place dans la ville, il y a là un enjeu d'aménagement que j'aimerais qualifier. Pourquoi ont-elles du mal à trouver de la place dans les espaces urbains? C'est notamment parce qu'elles sont très mal équipées pour répondre au mode de production de l'immobilier. D'un côté, en gros, on a deux logiques qui dominent pour l'immobilier d'entreprise, soit l'autoconstruction qui consiste à placer finalement un excédent de richesse qu'on a créé grâce à son activité dans du patrimoine immobilier, une entreprise qui se construit elle-même ses locaux, ou qui les fait faire, enfin peu importe les modalités. Et puis, deuxièmement, il y a le recours à la location, et qui est là plutôt tenu par une industrie qui associe des promoteurs et des investisseurs, qui ont tendance, c'est ce que l'on a observé dans nos travaux de recherche récents, à être plus à l'aise à fournir des produits que l'on dit standards, c'est-à-dire qui soient louables à tout type d'activité, et qui privilégient des grands comptes, plutôt que ces ensembles de sociétés qui n'ont pas de bilan financier, qui sont de création récente, qui ont des besoins qui peuvent varier très fortement, et qui finalement ont du mal à trouver leur place sur le marché. Alors, il y a bien là une tension, un paradoxe de la ville créative qui s'appuie sur des activités qui elles-mêmes ont du mal à trouver leur place dans les espaces urbains, et plutôt dans les espaces urbains centraux qu'elles privilégient. Ce qui crée un vrai défi pour l'aménagement, qui en a déjà beaucoup. On demande déjà aux aménageurs d'accueillir les populations modestes à travers la mixité sociale, au moins de garder de la place pour l'ensemble des populations. On enjoint les aménageurs à de la mixité fonctionnelle. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si l'on est attaché à cette ville créative, qui concerne aussi des activités qui ont du mal à trouver leur place dans les espaces urbains, c'est de la mixité sociale au sein même des fonctions économiques qu'il faut penser. Alors c'est difficile à prendre en charge parce qu'on sait bien que l'immobilier d'entreprise a tendance à être une ressource pour justement aider les collectivités et les aménageurs à équilibrer leur bilan, c'est-à-dire financer des équipements publics et du logement social. C'est aussi un défi qui ne tient pas qu'au modèle économique dominant dans l'aménagement, mais qui est lié au fait que l'on vise à conserver ces activités-là de manière pérenne dans le temps, et pas simplement à les utiliser comme un faire-valoir qui va permettre de transformer une friche qui serait hors marché immobilier en un espace commercialisable et dans lequel finalement les artistes ou les activités créatives qui se sont logées dans cet interstice-là servent simplement à signaler au marché que, ben oui, il y a une opportunité, il pourrait y avoir une demande, cette demande qui bientôt pourra exclure les activités créatives. On a vu ce processus où les artistes, notamment, signalent de nouveaux lieux qui ensuite se font évacuer, justement parce qu'ils ont contribué à faire monter les prix du foncier par leur simple présence. Le défi est évidemment extrêmement important. On voit bien qu'il n'est pas strictement spécifique aux activités créatives. Il renvoie d'une manière plus générale aux activités qui ont du mal à répondre aux attentes d'un marché de la production immobilière auquel les aménageurs contribuent à travers la production de la charge foncière et des niveaux de charge foncière. Ce qui impose, et donc ça vaut aussi pour de la petite industrie, pour de l'artisanat, pour l'économie sociale et solidaire, Martin Hirsch évoquait les lieux d'insertion, qui ne sont pas des lieux d'habitation, mais qui sont bien des lieux d'activité, qui posent question pour développer cette ville qui est créative et d'une certaine manière inclusive. Alors, pour l'aménageur, les solutions, évidemment,
On en connaît une partie, puisqu'on a bien, quand même, on arrive quand même à peu près, même s'il y a des difficultés sur le modèle de financement, à sortir du logement social, on y arrive encore à peu près, ou du logement intermédiaire. Ça passe notamment par une maîtrise publique foncière qui soit importante pour limiter les effets de valorisation du foncier. Ça passe aussi par des solidarités financières au sein des opérations qui conserve une place suffisante à ces activités qui n'arrivent pas à trouver leur place, hein, qui ne sont pas suffisamment rentables ou qui plutôt ne correspondent pas aux attentes de certains investisseurs, parce que ce n'est pas forcément un problème de rentabilité en réalité. Mais voilà, on sait qu'il y a des difficultés, à la fois sur les finances publiques et puis sur la Commission européenne qui scrute ou s'alarme dès qu'une subvention possible ou cachée à certaines activités transite à travers une politique immobilière ou d'aménagement. Mais en tout cas, je crois que là, il y a vraiment un enjeu d'importance pour les aménageurs qui cherchent à développer, d'ailleurs souvent à l'injonction de leurs élus, hein, de la place pour ces autres activités qui sont vraisemblablement, pour une large part d'entre elles, des activités qui sont celles de demain et qui, à minima, sont celles auxquelles les élus ou nos sociétés peuvent considérer qu'elles ont un rôle social important. Je vais finir en pointant un deuxième enjeu qui renvoie là, finalement, à une évolution des métiers de l'aménagement que l'on a pressenti dans ce qui a été dit ce matin et cet après-midi, mais sur lesquels j'aimerais insister, pas de manière normative, je ne suis pas du tout là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez ou comment il faut que vous évoluiez, mais c'est quelque chose, moi j'ai l'impression qu'on est en train de voir apparaître progressivement dans la profession de maîtrise d'ouvrages urbains ou d'aménagement, qui est que, puisque l'on doit mettre l'accent sur les capacités à animer, à mobiliser des ressources, à faciliter la circulation des savoirs, bref, que cette économie repose sur de la circulation, l'aménageur se retrouve finalement être pris un peu cul par-dessus tête, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que son travail ne consiste pas simplement à fabriquer des espaces urbains, mais avant tout, c'est là où le avant tout pose problème, puisqu'on ne sait pas forcément faire, à concevoir des projets qui vont surtout faciliter ou permettre l'animation, la mise en relation, ce que l'économie territoriale, là, les collègues dont je fais partie, on appelle l'activation de la proximité, parce qu'on n'en a rien à faire que les gens soient les uns à côté des autres si ce n'est pas activé. Et donc on peut développer toute la programmation et la mixité que l'on veut dans la programmation, on sait bien que le travail commence, ou plutôt il continue, au moment où tout est sorti de terre et il faut réinjecter de l'énergie pour animer. Alors ça pose au moins quatre problèmes face au métier de l'aménageur. Ce sera ma conclusion, en fait une transition vers les témoignages qui arriveront après. Premièrement, c'est que les objectifs du métier d'aménageur sont presque retournés. Hein, c'est un terme que semblait évoquer Pierre Vell ce matin. Animer, c'est-à-dire renforcer les coopérations plutôt que simplement fabriquer, c'est ce que j'appelle remettre finalement de l'ingénierie douce face à l'ingénierie dure qui consiste à fabriquer de la voirie, de l'immobilier, des équipements. Donc il y a une évolution dans les objectifs, il y a une évolution dans les temporalités, puisque cette dernière doit s'étendre sur un temps très long, qui n'est pas celui de la longueur de sortir différentes étapes pour un projet urbain qui dure 20-25 ans, mais qui est la longueur de 40 à 50 ans, où on va insister sur la partie de l'animation, c'est-à-dire de la saisie de cet espace-là par ses usagers. Troisième point, c'est évidemment une évolution dans les méthodes, puisque l'important étant le fonctionnement du territoire et pas sa production, sa fabrication, il convient d'arriver à, c'est le mot d'ordre, vous le répétez vous-même finalement assez souvent encore, faut-il parvenir à le faire, à faire que le projet corresponde à des attentes
des entreprises, des entrepreneurs, des associations qui sont présentes dans les territoires, et ça, évidemment, à la phase de conception, puis ensuite durant la phase d'exploitation. Le problème, c'est que les usagers n'ont pas forcément envie de donner leur avis ou de se mobiliser. Il y a un véritable enjeu, là, qui est de construire un diagnostic commun, une compréhension des ressources spécifiques d'un territoire. On ne peut pas se contenter de proposer une programmation sur 150 hectares en cœur de la métropole parisienne, je prends un exemple, sans avoir pris en compte auparavant le fait qu'il existe toute une communauté dans ce territoire, là je parle en fait d'Ivry, de 100 à 150 entreprises qui travaillent dans la photographie, qu'il existe tout un ensemble de personnes et d'entrepreneurs du multimédia, et je crois que ça peut tendre des perches à une dynamique qu'a mise en place Brémond, notamment dans ce cadre-là. Il y a vraiment des dynamiques territoriales qui doivent, me semble-t-il, être réinterrogées dès en amont de la conception du projet, et ça, ben, on ne sait pas forcément faire concrètement. Et puis enfin, ça pose une question sur le modèle économique de l'aménagement. Parce que aujourd'hui, finalement, on cherche à équilibrer des objectifs de politique publique à travers, notamment, pas seulement, mais la charge foncière. Et on met en place des formes de péréquation qui sont censées contribuer à cette ville mixte dont vous avez reçu l'injonction de concevoir et de réaliser. Qui finance l'animation dans ces territoires, c'est-à-dire tout ce qui vient après? Est-ce que ça rentre dans le bilan de l'aménageur? Et finalement, ces coûts de fonctionnement, il faut arriver à les évaluer et surtout à les prendre en charge dès la phase de conception, ce qui suppose une reconfiguration du modèle économique qui ne soit pas simplement calé sur du financement d'équipements et d'infrastructures. Et c'est là où ça m'amène à finalement réaliser une conclusion qui renvoie à la proposition ou aux réflexions d'Elisabeth Campagnac, dont on partage les mêmes locaux, puisqu'on est dans le même labo. Ce n'est pas concerté, mais on voit bien que là, l'enjeu pour l'aménagement, c'est lui aussi à son tour de contribuer, alors même que ce n'était pas sa mission originelle, à renforcer des investissements dans ce qui est intangible, dans ce qui est immatériel, et qui fait le fonctionnement des quartiers que vous concevez. Alors même que votre bilan d'aménagement, essentiellement votre modèle économique initial, repose plutôt sur de l'investissement dans de l'infrastructure, dans du matériel. Donc ça pose des questions, des enjeux, et je crois que finalement les exemples là, que vous avez réuni désormais pour témoigner de cela, commence à pointer des pistes sur cette connexion plus forte dès l'amont, il reste encore à inventer la phase aval, évidemment, durant la vie des projets, entre les problématiques de développement territorial, économique et social, et puis le projet d'aménagement. Le risque sinon, c'est que l'on fasse des projets qui fonctionnent comme des enclaves ou des verrues sans qu'elles soient saisies, sans qu'elles vivent, avec les potentiels qui existent dans ces territoires que l'on cherche à transformer.